Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 184e épisode de notre Let's Play Station Heroes en coop sur Mimas avec Sabdam et XK. Et aujourd'hui, on va avoir quelques petits soucis de désynchro. Allez, en route! Et le gros tank, il est presque à 1 mégapascal. Je pense que je l'avais réglé pour qu'il se fasse refroidir tous les 1 mégapascal. Donc ça devrait bientôt... Ouais, ça doit être ça, parce que... remettre 4,27 kmol d'oxygène. Le problème sera définitivement réglé. On pourrait pas le baisser, plutôt? 1 mégapascal, c'est beaucoup, non? Comme le froid, il est très froid... Finalement, ouais. Il vaut mieux avoir une certaine quantité, sinon tu overshoot ton refroidissement. Ouais. Ou alors il faudrait remplacer ce qu'on a mis par un système avec... non, pas forcément PID, mais au moins une volume pump et une passive valve pour faire circuler doucement, tu vois, au niveau de l'échange. Ouais. Parce que là c'est violent hein, quand ça fait l'échange. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être... Ouais. Ça peut se réguler, hein. Avec un PID, c'est pas trop... C'est un peu overkill de mettre un PID pour ça, quoi. On serait sûr d'avoir exactement la bonne température en sortie. Peu importe le refroidissement. Oui. Ouais, 940... Ah, je ferai ça à l'occasion, t'inquiète. Je compte sur toi. 946. Ouais, ça va. 950. En plus, il se fait un peu réchauffer, là. J'ai bien fait de le refroidir un petit peu manuellement et d'injecter un tout petit peu, parce que sinon, il nous aurait tout injecté. S'il y avait eu vraiment une fuite, on aurait été mal. Je vais remettre le tuyau, du coup, que... Ah, il y a un sac à dos de minage maintenant. Ou il y a toujours eu. Oui, c'est, mais ça il fait a pas partie. De jetpack. Ouais. Ça. Ça existait déjà, mais. Ah, ça existe depuis quelques mises à jour. Hein. C'est pas hyper vieux. Non, avant tu avais le hard suit backpack qui n'avait pas de jetpack, mais là c'est vraiment un sac à dos de minage spécial. Par contre, ce qu'il y a de nouveau, c'est les trucs pour la génétique, le plant sampler et le plant genetic analyzer. Ça te permet de faire quoi ? Il nous faudra un petit laboratoire, Sabdam, à côté de la serre. Ouais, prévoit 8000 mètres carrés. Mais on a déjà un laboratoire, ça m'en fout. Parce que en gros, tu récupères un échantillon de gènes de ta plante en croissance, et tu la mets ensuite dans le Genetic Analyzer pour voir comment elle est. Tu peux faire de la sélection génétique. D'accord. Ok, d'accord. Bah, je pourrais parce que tes plantes, elles... Pour les améliorer, en fait. En fonction de l'environnement dans lequel elles grandissent, elles vont acquérir plus ou moins de résistance à la chaleur, au froid, à la surpression, à la sous-pression, au manque d'eau. On fait des OGM, quoi. Bah non, pas G, des ONM, oui. Des naturellement modifiés. Voilà. C'est cela, oui. C'est cela. C'est de la sélection naturelle. 965, parce que bah, tu sais que ça se fait depuis la nuit des temps, hein, la sélection naturelle. Enfin, oui, on a bien... Oui, de sélectionner certaines chiens, on a... Bah, au-delà du croisement, juste la sélection, t'as un... Sur une plante, d'en choisir une. T'as eu une saison froide, tu récupères les plus beaux grains de blé pour la saison suivante, pour que ça résiste. Parce que tu dis qu'il vaut mieux résister au froid. Et... Bien sûr. Bon, la production énergétique là, est constante. On est à 80 kW depuis tout à l'heure. T'en les avais batteries de la serre sont à nouveau pleines. J'avais mis 1000 grammes de charbon. Donc, c'est quoi, c'est 5 stacks? Ouais.
Je vais juste jeter un petit coup d'œil pour voir combien est-ce qu'on a de charbon encore. Ah, je l'ai peut-être sur le panneau d'affichage. Si c'est parmi ceux qu'on a le moins, oui. Allez, 993 kilopascal. Et c'est parmi ceux qu'on a le moins. On est à 26%, donc... 26, c'est ça? 26 stacks, ouais. Ça reste correct, 26 stacks. Ouais, elles sont peut-être pas toutes pleines, par contre. Il y a peut-être des stacks incomplètes. Oui. Après, s'il faut, on lance une fusée. Hein. Ouais. Ah ben, on est en train de refroidir, là. On a refroidi un petit coup, mais du coup, on est descendu sous la pression. Ah, il y a de l'oxyde ici, je peux le mettre dans le... Dans le... Je vais aller le mettre dans les ice crushers. Je sais pas pourquoi il y a de l'oxyde, ça doit être plein, les machines d'oxyde. La vending d'oxyde doit être pleine. C'est possible. Tu l'as retrouvé où, dans le silo? Tu sais, la machine qui est à côté du contrôle de minerai. Ah! Il y a une vending machine qui récupère tout ce qui est... Quand c'est plein dans la vending, dans le stockage, pardon, ça envoie dans cette vending. Il y a pas mal de trucs d'oxyde. Et en plus, elles ont été dupliquées parce qu'elles passent dans un silo. En plus? Je sais pas si le bug est encore... Quoique non, tout à l'heure, je regardais quand on a la centrifugeuse qui a expulsé sa biomasse, ça a traversé le silo et j'ai vu qu'un seul des deux fours s'allumer. Ah, ça a dû être corrigé. Donc je pense que c'est corrigé. Ça devait être de l'époque où ça buguait. Non mais il y en a plein, là j'ai déjà une stack complète et il y en a encore à sortir. Bah vas-y, vas-y. Hein. Faudra qu'on revoie ce système de refroidissement parce qu'il est totalement inefficace. Enfin, totalement inefficace. Il est mal foutu. Il est peu efficace. Il fonctionne, mais il est peu efficace. C'était un vieux code à moi. J'ai des codes tellement mieux maintenant. Enfin, j'aurais géré ça déjà avec des étages. Même sans étages, j'aurais géré ça. Une machine à état. Mieux gérer ça. Oui, bah oui. Parce que là, tu passes 1 mégapascal, ça se déclenche. Et du coup, comme ça refroidit, ça tombe en dessous et ça s'arrête. Par contre, je sais pas ce qui... Ah si, c'est le charbon qui envoie du chaud. Qui envoie du CO2. 30% de CO2. Là-dedans. Ah, en sortie des générateurs à charbon Dans les tuyaux, on a 43% de CO2. Donc, il y a les centrifugeuses aussi qui consomment du fuel qui devrait relâcher un petit peu de CO2, je pense. Ah oui. Ouais, mais pas grand-chose. Ouais, c'est pas grand-chose du tout. Mais effectivement, avec les générateurs, ouais, on récupère pas mal de trucs, du coup. Allez, la température est tombée à 31 degrés. Hein? Est-ce que c'est agréable de pouvoir rejouer à une vitesse normale? T'as vu? FPS. Mais le delete lose items, ça a été... Mais du coup, ouais, j'ai vérifié partout si je voyais pas des trucs traîner. J'ai vu des trucs traîner que j'ai rangés dans des casiers. Mais j'ai pas vu ton futal, hein. Sinon, je l'aurais pas... Non, mais ça y est, on purge. C'est, je l'ai refait, j'ai tout refait. J'ai fait la ceinture de minage, j'ai tout refait. Bon, j'ai 4 stacks et demi d'oxyde. Mais de toute manière, on rejetait les gaz, je crois, dans la vending machine du bout, là. Les gaz? Non, hein, les oxydes, excuse-moi. Ouais, les oxydes, là-dedans. Ouais, mais on les stocke. Normalement, c'était tout ce... Non, on les stockait. Si, on les stockait. Parce qu'on avait machine plus. Pour les stocker, je suis certain. Ouais. Hein. Oui, elle c'est parce pleine. Qu'on était... Elle doit être pleine. 3,5 kmol d'oxygène dans les tuyaux, plus ce qu'il y a dans le tank au-dessus, je ne sais pas combien, mais suffisamment.
Donc, problème résolu. Je vais retourner voir à la serre pour voir que si tout va bien à l'intérieur. Est-ce qu'on se replugue ? J'ai bien envie de pas repluguer l'oxygène pour la serre. Écoute, ça devrait marcher hein, si tu le reploques pas, parce que du coup, ça va être que le surplus qui va être réutilisé. Ça va être réinjecté. Oui. Après, peut-être le souci, c'est la chaleur après. Ah non, si là il fait 29 degrés. Si les CO2 sont bien froidis, ça devrait aller. Oui, oui. Et SK ? Oui. CO2, il a 5 degrés. Tu peux pas l'ouvrir, les portes du SAS qui étaient dessus avec les plaques de pression à l'extérieur. Ah bon ? Si, moi ça marchait. Je les activer depuis un certain moment. Moi, j'arrive plus à les faire fonctionner depuis un certain temps. J'y ai passé tout à l'heure, ça allait ? Ouais. Ben regarde, viens voir. T'as dû faire un régime, t'es trop léger. Attends, j'arrive. Je suis pas loin. Ouais, je sais. Bon, on a 10% de CO2 dans la serre. Youhou ! Excellent. Attends, je passe le sas. Je saute dessus et ça fait rien. Donc... Attends. J'essaie de passer mon sas. Oui, j'ai dû appuyer 50 fois sur le bouton. Ah bah, t'as fait bugger lycée parce que t'as appuyé 50 fois sur le bouton. Faut appuyer que 47 fois sur les boutons. Ah bah, ça a dû récolter des trucs. Je suis là. Ah. Je te vois pas, cette dame. T'es où? Mais je suis dans le sas devant. À l'extérieur, vers le four. Mais ça a dû récolter du maïs. Pour rentrer de la zone de tank. Ben j'y suis là, mais je te vois pas. T'es où ? Sans déconner, tu me vois ? Mais je te vois pas. T'es où ? Est-ce que tu me vois ? Non, je te vois pas non plus. Bah... Vous êtes pas au même endroit. Parce que attends, là je suis devant, je passe. Bah, devant la porte. Je suis sorti du côté du sas pour aller vers le four. Hein. Ça s'ouvre pas pour moi. J'arrive. C'est bizarre, ça s'ouvre pas. Au secours. Je suis un fantôme. Sabdam aussi. Ouais. Ah, je vous êtes fait ghoster par la station. Ah, ça peut être que ça. Hein. Je t'ai vu passer la passerelle, Henry. Je suis dans la passerelle. Je sors de la passerelle. Je vais sortir par l'issue du secours. Il y a une issue de secours. Ouais, mais moi je vois les rues, tu me vois ? Ben moi je vois les rues aussi, je suis Tu me vois les rues ? Je ne vous vois pas. Je vais déclencher, moi je suis... Ah ben moi je suis juste à côté de toi là. Bah, pareil, on est tous au même endroit, mais... Je ne vous vois pas. et je suis juste à côté Dieu, de toi. Mon dieu, des fantômes, au secours ! Ouh, il n'y a que les rues qui est visible. Et du coup le problème c'est que si on reste bloqué dedans si tu t'en vas. Attendez, sortez. Je vais sortir du coup. Il m'a bousculé en fait. Sortez et montez avec votre jetpack un peu haut dans le ciel parce que si ça se trouve, vous êtes. Il y a une des cimes qui vous êtes vu bas. Je monte haut dans le ciel. Très haut. Il y a une belle vue d'ici. Ah, c'est classe. Je suis au maximum. Je suis dans les anneaux de Saturne là. Ouais, redescendez, ça sert à rien. vous avez essayé de. Essayez de vous asseoir sur un truc et d'en ressortir, éventuellement. Ah oui. Attends, Sabdam, attends-moi au sas d'entrée, et puis on va dans la petite pièce... Non, mais je vais dans la petite pièce en haut. Ouais, c'est là que je pensais. Quelle pièce en haut ? Là, la vue panoramique, il y a des sièges. Je vous y rejoins pour voir si je vous y vois. Bon, j'ouvre le sas. Mais pourquoi tu passes pas par l'issue du secours ? Par en haut. Passe par le haut qui est pas encore fini. Parce que le secours, c'est comme son nom l'indique, c'est une issue de secours. Alors. Et salut Alambic. Ah, ça y est, je te vois, Sabdam. Salut Alambic. Tu me vois ? Je te vois assis dans ton fauteuil rouge. Attendez, j'arrive. Tu me revois ? Je te vois debout devant ton fauteuil rouge. Ah, je suis tombé des escaliers, attendez. Ta longue barbe blanche.
Oh, oh, oh. Pourquoi il n'y a pas une rampe de protection sur ces escaliers? C'est dangereux, ça, monsieur l'architecte. Parce que il y en a un qui les a enlevés. Non, ah, je vois tout ça. Il n'y en a pas je un qui les a enlevés, ça a explosé. Est-ce que vous voyez? Ah non. Oui, c'est vrai, ça assis-toi. Je te vois pas. Assis-toi. Assis-toi. Je m'assieds. Attendez. Je. On ah, c'est moi. Oh, coucou. Bon, je suis content de te voir. Coucou. C'est quoi ce. C'est bug. Et maintenant, vous me voyez toujours? Oui, on t'est assis. on te voit assis, couché entre la table et la banquette. On dirait que tu fais de. Je suis sorti du siège là. Space moto. Ah, non, tu peux marcher? Mais je suis sorti du siège là. Ah non, mais non, on te voit pas. C'est vraiment bizarre. Voilà, en fait. Attends. T'étais... Non, mais on te demandait juste de te déplacer en fait, parce que là, moi je peux te faire bouger. Tu existes bien. Attends. Est-ce que tu me vois aller dans le coin là? Ah non, en fait, t'es statique. Va dans un coin et remets-toi dans un siège. Oh là 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 là. Attendez. Je me mets dans un siège, trouvez-moi. Voilà. Mais tu es ici. Ah, oh, bonjour. Oh, on te voit? Je vais rester dans mon siège du coup. Au moins dans le siège, j'existe. Essayez de sortir du siège là, non? Oh, c'est moi qui l'ai pris. C'est toi qui m'as pris, c'est pour ça que je suis sorti? C'est bizarre. Eh, hey, oh, arrête de t'asseoir sur XK. Moi, je vois Sabdam dans le siège. Pourtant, je suis sorti du siège, moi. Assieds-toi sur une autre partie du siège. Moi aussi, je te vois. Ah, voilà. T'as déplacé. Oh, c'est bug. Vous êtes fou. Oh, c'est bug. Oh, oh, oh. Ah, là, je vois un aile rude. Attends, ne bougez pas. Mon dieu, c'était traumatisant. J'étais dans un robot. Et là, si tu ressors... Ah bah, non, on te voit... Mais c'est pas possible. Tu te vois sur le stream ou pas? Bah oui, mais moi, je suis plus... je sais pas quoi faire, là. Je suis debout. Je me tiens debout dans la pièce. Je bouge normalement. Ah, là, tu cours, dis donc. Ah bon? Sur place. Tu pourrais le faire à l'envers et on dirait que c'est du moonwalk. Parce qu'a priori, Mima, c'est qu'une lune. Ça ah marche. Oui là, comme ça. Est-ce que je marche à l'envers, là? Non. Non? Bah, c'est bloqué, parce que là, j'arrête de marcher. Il se passe rien. Je t'ai poussé. Là, j'éteins ma lumière. Non, mais... Non, t'as... La lumière est éteinte. Fais coucou. Attends, je fais coucou? Tu n'as pas fait coucou. Non? J'ai fait coucou, attends, je refais coucou. Ok, XK, fais coucou. Tu n'es pas obligé de me dire ok, XK, quand tu me parles. Je suis pas comme Google, moi. Hein. Ah bon, pardon. Ah, vu le bon fonctionnement du produit, j'avais des doutes. Hein. Ah, je me téléporte. T'es TP, là. Ah, ça y est. Mon siège. T'es retourné dans un siège. T'es sorti de ton siège et là je te vois debout. Ah bon? Attends, je fais coucou. Est-ce que tu me vois faire coucou? Non. Non. Je te vois regarder la table en fait. Tu regardes la table? Non. Là je suis dans les escaliers là. Pour autant que j'arrive à faire fonctionner le sas. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Je me reconnecte? Attends, et Sabdam, t'es en train d'essayer de faire fonctionner un sas? Oui, le sas en bas. Ah non, parce que moi, je vois Sabdam dans les fauteuils là, entre le fauteuil et la table. Ouais, je vois tout. Au même endroit que toi, tu le vois. C'est ça. Je le vois au même endroit que sur le stream. Non, j'étais plus dans la pièce. Attendez, je reviens. On est tous des syncs. C'est bien. Ah, GG. Je m'assois exactement sur LRU. Coucou. Je t'ai vu te TP. Ça y est. Vous me voyez dans le fauteuil, là? Ouais, dans le fauteuil, ouais. Je peux take Sabdam pour le move to the world. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Sabdam a volé en haut au-dessus. Ouais, j'ai fait take Sabdam. Comme moi j'ai fait tout à l'heure take. Par contre, je pense qu'il est des signes encore parce que là je peux le faire glisser. On peut faire du curling avec Sabdam. Loup. Ah zut! Laisse-moi essayer. T'as tapé.
que j'arrive à le pousser, moi? Où il est? Dans l'escalier, dans la cage d'escalier. T'as poussé Saldan dans les escaliers, Saldan? Oui. Il s'est pris la contre-marche dans la tête. Est-ce que tu le vois bouger, là? Là, non. Ah, mais j'arrive pas à le bouger, moi. Non, j'arrive pas à le bouger. Non, il y a que toi qui peux pousser Saldan dans les escaliers. Écoute, c'est le privilège de... C'est le privilège du streamer. De Dieu. Pousser Saldan dans les escaliers. Oh là là du chef, là là. Le privilège du chef. Donc les plaques de détection fonctionnent bien, Saddam, je te confirme. Par contre, vous n'êtes pas au bon endroit. Donc non, on fonctionne pas du tout. Par contre, ça va être très compliqué de faire toute la soirée comme ça, donc peut-être que ça serait judicieux. Quand on fait une pause, on se reconnectera. Ouais. Mais là, maintenant. Eh, c'est le bordel, l'escalier qui a disparu. Hein? Un escalier qui a disparu? Oui, j'ai voulu le démonter, il a disparu. T'as voulu démonter un escalier, t'es fou. Mais oui, mais pour remettre les rambardes. Est-ce qu'il a pas des pop? Il serait pas allé à côté de. C'est quoi ce bazar? Il est pas dans ta main? Non, je vois plus qui est au-dessus de l'escalier. Mais non, attends. Non, je l'ai pas. Non mais ouais, peut-être dans la main de ton fantôme. Va te remettre dans le fauteuil, si ça se trouve ça va popper dans ta main. Oh non, j'y crois au pas. Au secours. Remets-toi dans le fauteuil. Oui, c'est ce que je vais faire. Et là, on va le voir avec un escalier dans la main. Ploum. Ah. T'en faut du temps pour monter dans un sur un... Non, tu as une visseuse dans ta main. Dans la main droite. C'est ça. Bon. Alors, note à toi-même, quand tu es des sync, ne... Ne pas démonter les choses. Pas démonter d'escalier. Est-ce que tu me vois avec des oxydes dans la main? Oui, oui, je te vois avec une oxyde, mais tu bouges pas. Tu vois toujours au même endroit, comme... Est-ce que je fais coucou avec de l'oxyde? Non. Tu fais du moonwalk avec de l'oxyde. Je fais du moonwalk, quoi. Stop. Bon, moi, je range mes oxydes. Bon, allez, venez, on retourne en zone de vie, on va tous se déconnecter, on va tous se reconnecter. Ça ira mieux. Je dirais que c'est la faute à l'oxygène de la serre. Ouais, sûrement. C'est la faute à Steve. Donc du coup, il y a un raccourci là avec les escaliers. Ah oui, un léger, oui. Je vous attends dans le sas et vous me direz quand vous y êtes. Et j'appuierai sur le bouton. Ouais, attends, cette dame. J'ai trouvé les escaliers. Et où? Ils ont popé au point zéro. Oh non. Merde. Je te jure. Ah, tu les prends. Viens voir, Elru. Oui. Non, t'es où? T'es où? T'es au-dessus? Point zéro, donc au point zéro. Non, au point zéro. Si. T'es au bon endroit. Ah oui. Tu vois pas, là, au croisement? Si. Je peux reposer les escaliers. Étant donné que moi, je suis pas des sync, je vais me permettre de reposer les escaliers. Donc, je pense que le serveur a l'impression qu'on est au point zéro. Ah, vous deux, hein, moi, j'ai pas le problème. Ouais, je suis dans le sas. Je retourne au sas. Samdam, tu es dans le sas? Je retourne au sas aussi. Négatif. Samdam, tu es sans sas? Ah, Samdam est sans sas. Alors, l'avantage, c'est que... Ouais, je suis dans le sas. Je peux... Ça va, il y a de la place dans le sas. On y va. Ouais, bah tu me marches dessus, mais ça... Ouais, tu me pousses aussi, un petit peu, mais ça va. Ça va, tu te sens pas trop serré, Elru, dans le sas? Oh non, on se fait bien. J'étais comme un poisson dans l'eau. Ah zut, il va me manquer une place. Est-ce qu'on enlève ce qu'on a sur nous? Ah oui. Dans le doute, moi je préfère. Ouais. Prends ça, voilà. Alors, j'ai le backpack qui est des signes sur le support, qui apparaît en Tourikiki. Enfin, pas en Tourikiki, même, c'est juste son contenu en Tourikiki. Bon, je pose mon backpack. Est-ce que tu vois mon backpack sur le support? Ah bah moi, il est même pas apparu. Mais j'ai oublié d'éteindre ma lampe dedans. Mais sur le Est-ce que tu vois de la lumière où il y a mon backpack? Non, mais je vois ton backpack. Ah, d'accord. Je l'ai pris, je l'ai reposé, et là, je ne le vois plus.
Moi, je peux le prendre. Tu le vois pas, là, je l'ai avec moi, dans ma main. Non, non. Toujours invisible. Mais il est où mon... Mais, merde, je le repose. Tu m'as bousculé, du coup, c'est... j'ai perdu mon... J'ai perdu mon... Ma suite. La faute à qui? Non, mais c'est Edru qui arrête pas de me pousser. Je perds tout, en fait. J'ai tout... Samdam a tout perdu. J'ai tout perdu. Je suis en train de mourir. Bah, dans la zone de vie? Je suis dans la zone de vie, ouais. En train de mourir dans la zone de vie? C'est ouais. Que tu dois être des signes que complet va vite dans ta... Ouais. Je sais ce que j'ai fait. C'est, ouais, ça doit être ça, effectivement. Et je sors, je me désynchronise. Mais du coup, j'ai mes habits qui doivent... je sais pas où. On va retrouver ma suite qui doit être quelque part. Ouais, on va la retrouver. Bah, on regardera au point zéro. Oui. Du coup, on se déco, on se reco, ça nous laisse le temps de faire une escale technique. Et on se dit yep. À tout de suite, le chat. À tout de suite. À toutes. À tout de suite. Mais malheureusement, on n'a jamais réussi à se reconnecter. On espère que rapidement, un update va corriger le problème. Et puis, on se dit à très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.